Pour vous mettre en appétit, vous retrouverez dans la cuillère une bille d'asperge et à côté, il s'agit d'un croustillant d'anguille de Loire fumée. Et petit clin d'œil du chef, un foie gras de canard avec des séglitons de fruits secs autour. Très bonne dégustation. C'est un croustillant de Saint-Jacques au sarrasin avec le caviar aquitaine sur le dessus. Alors, du pain blanc, du pain de sarrasin ou du pain de campagne ? Sarrasin. Séglitons de foie gras de canard. Alors, voici pour débuter. Vous avez la bouillette d'œuf à la truffe. Ensuite, sur votre droite, vous avez la mouillette avec un condiment céleri truffe. Et tout en bas, vous avez le club truffé. Bonne dégustation. Donc vous poursuivez avec des noix de Saint-Jacques-Pontise à la truffe, risotto de céleri avec un jus émulsionné de Saint-Jacques et truffe. Bonne continuation. Oui. Ce sont les canards à la broche. Léo, c'est bon. Super. Là, si. Ah là, t'as vu ce matin? Non. Donc pour moi. La suite de Monsieur Petit, là ça fait, ça marche déjà. Là, là, on peut enlever Noémie Lacroix. Avec le canard. Un canard en premier, ouais, on y va. Merci pour vous, madame et monsieur. Dans l'ustine déposée, ce sont les poutres et son sabayon, la truffe. Voici donc l'huître plate préparée avec escalopine de foie de canard, à la truffe, jus de viande et la feuille d'huître. Voici. Madame, messieurs, voici donc le bar préparé en voile de truffe, accompagné d'un crémeux de topinambour et fenouil. Bonne dégustation. Allez, vas-y, fini. Oui. Invitation. Chef, vous pouvez saucer l'agneau, s'il vous plaît? Oui. La sauce? Ouais. Oui. On va mettre off. Oui. On est bien là sur la purée. On a une saucière encore. Un peu, sois généreux. Ouais. C'est pour moi. C'est pas moi qui vous dirais le contraire, hein, sois généreux. C'est bon quand il y en a suffisamment, la truffe. Ouais. L'autre chose, c'est pour tremper le pain. Ah, là, là.
peux y aller, Philippe? Oui. On enlève, s'il vous plaît, la voix. Alors, mesdames et messieurs, je vous pensez qu'une pomme de riz ou aussi au beurre piquée à la truffe, on retrouvera la mousseline de pomme de terre qui est truffée, on va retrouver le panier, on va retrouver le chou, le marron et la sauce périgueux. C'est pour monsieur, parce qu'il y a tout le fond. Donc, 4 truffes pour monsieur. Ça vaut le coup d'être servi le dernier des fois. Bria Savarin avec sa crème de truffe, son mesclun nantais et la vinaigrette truffée. Bonne continuation. C'est très, très onctueux le Bria Savarin. C'est comment dire, c'est un petit garçon en culotte de velours. Ça, c'est le maire de Bière. Oui. Bière où? Mettre de l'essence de truffe. D'une truffe, il faut une week-end. Le croque-morin avec pécan, pistache et tartare de mangue. Donc vous terminez avec la truffe en chocolat que je vous invite à caisser. Très bien. Alors, les mignardises de fin de repas, vous retrouverez un pain aux noisettes avec une gelée d'orange et mousse pralinée. À côté, c'est une guimauve de praline rose. Et dans la tartelette, chocolat doucé et fruits de la passion. Gracias.